Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et on s'est fait cambrioler. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu apparaît sur la liste. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui ça va être une journée tranquille normalement. Darkito, t'es pas allé jeter les poubelles? Enfin mon amoureux, pourquoi ils sont toujours là? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu veux pas t'occuper des poubelles? Bah en fait si, vraiment, mais regarde autour de toi, il s'est passé trop de choses là, l'appartement il est retourné, la maison elle est complètement retournée, il y a des affaires de partout et il manque plein de choses. Je sais pas comment ça peut se faire vraiment, je suis vraiment choqué et la porte ici elle est ouverte. Tu penses que c'est quelqu'un qui nous a volé? Attends, il manque vraiment, c'est vrai qu'il manque vraiment beaucoup de choses là. Oh, ça se voit que je viens de me réveiller. Attends, mais je crois qu'on a été en fait cambriolé, non? Regarde, on nous a volé plein de choses. C'est vraiment trop bizarre. Mais qui a bien pu faire ça? Moi, je crois que j'ai une idée. Regarde dans le frigo, il manque le sandwich. Je sais pas si le sandwich il y a encore. Ok, hop, j'ouvre. Non, il y a plus le sandwich. Il y avait un sandwich en haut à gauche et quelqu'un l'a pris et l'a mangé. On a pris notre sandwich. Mon sandwich que j'allais manger. On me l'a volé. Non, mais arrête, c'est vraiment nul là. Tu me prends la tête pour un sandwich. On s'est fait voler un sandwich. Ça va, c'est rien. Regarde tout ce qui a disparu dans la maison là. Le reste, c'est vraiment inquiétant. Moi, je pense qu'on aurait peut-être appelé la police, tu penses pas? Attends, j'ai un appel. Allô, qui c'est? Ouais, bah c'est moi. En fait, je suis venu chez vous et j'ai pas trouvé. Vous m'avez volé quelque chose. Hein? Mais. Quoi? Il y a quelqu'un qui est venu et qui a volé quelque chose. Et en plus. Je comprends pas. Il a la voix grave, genre très grave. Je comprends pas qui ça peut être. Quoi? T'es sûr c'est quelqu'un à la voix grave, vraiment? Moi j'aurais plus pensé que c'était un coup de mini Darkito, par exemple, il serait capable de faire ça. Bon ben d'accord, ben du coup tu sais quoi, on n'hésite même pas, je vais appeler la police hein. Oui, allô, bonjour, c'est Miss Darkito de la maison... De la maison 14, et en fait, je vous appelle parce que je suis totalement paniquée, je viens de me faire cambrioler chez moi, et en plus de ça, ils ont même volé dans mon frigo, vous imaginez? Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Oui, bon, d'accord, vous êtes déjà complet? Bon, bah d'accord, je comprends, c'est pas très urgent, bah il y a un peu tout qui a disparu quand même, je vais vivre où moi pour l'instant? Ah, bon, ils ont dit comme quoi... Pour l'instant, ils pouvaient rien faire. Apparemment, il y a beaucoup trop d'appels. Je sais pas ce qui se passe en ville. Je pense qu'on va devoir aller habiter dans le motel. Je sais pas, il manque tellement de choses ici. Mon amoureux. Alors, bah, on fait quoi? Parce qu'on a plus rien ici, en fait. Bon, tu sais quoi? Viens avec moi, on va prendre la voiture et on va descendre en ville. Ah là, faut vraiment qu'on descende en ville directement avec la voiture. Bon, on prend ma voix. D'accord, j'arrive. T'as quoi, ta voix? Ah oui, voix. Oui, ta voiture, elle a disparu. Par contre, attends, je t'ai pas dit un truc. Ils m'ont dit comme quoi il y avait beaucoup d'appels en ce moment. Apparemment, je sais pas, il y a un peu d'agitation au centre-ville. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Attends, faut que j'appelle l'assurance. Voilà. Je viens de prendre en plus une assurance tout risque. Donc, normalement, je devrais avoir un véhicule de prêt. Enfin, j'espère. Oui, allô, l'assurance? Oui, allô, c'est l'assurance. Bonjour. Je voudrais un véhicule de prêt, s'il vous plaît. Je me suis fait voler ma voiture. Oui, alors, je regarde si j'ai un véhicule de prêt pour vous. Oui, c'est bon. J'ai un véhicule de prêt. Vous attendez devant chez vous dans 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Ah, c'est rapide. Ça marche bien, cette assurance tout risque. Voilà. T'imagines, j'ai bien fait de la prendre, non? Bah oui, t'as bien fait. Mais bon, pour le prix qu'on la paye, j'espère bien qu'il nous emmène un véhicule, quand même. Bon, ça, c'est déjà réglé. Ensuite, j'ai vu comme quoi il nous a même volé des vêtements et tout. Qu'on a plus à manger non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bon ben on attend la voiture déjà je suppose. Après on va au motel c'est ça? Non j'ai mieux que ça. Je crois que la voiture elle est arrivée. Bon on va la prendre. Bon allez j'espère qu'elle est vraiment bien cette voix. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais... Mais c'est quoi cette voiture? Je passe d'une voiture orange flambant neuve, super belle, que j'ai payé une blinde à ça? Bon ma foi pourquoi pas. C'est quoi ce truc à côté? Chérie, c'est quoi ça? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est vraiment jamais tranquille. C'est quoi? Mais c'est pas une voiture, ça, c'est... C'est une camionnette faire du golf, non? Ou dans les campings, je sais pas. Et c'est qui, ça, à côté? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié dans la voiture? C'est vraiment bizarre, encore. Peut-être qu'on devrait aller en ville et l'emmener dans le centre, tu sais, pour les enfants, quoi. Ils vont peut-être retrouver ses parents. C'est vraiment trop bizarre, cette journée. On a beaucoup de trucs à faire en plus. Allez, bon, on n'a pas le temps. Moi, je monte derrière. Ah, c'est vraiment bizarre, t'as raison. Coucou, le bébé.
Pourquoi ça fait ce bruit? Pourquoi ça fait ce bruit? Pourquoi ça fait ce bruit, un bébé? Mais c'est normal, attends, il a été abandonné et en plus de ça, il doit avoir vraiment super faim. Viens, dépêche-toi, on doit vraiment l'emmener parce que le pauvre, il doit pas être très très bien là. Bon, on va le reposer. Hop, oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Allez, dodo, l'enfant dormira. C'est quoi la suite déjà? Dormira bientôt. Allez, c'est bon, on va t'arriver, on va t'arriver. Oh non, je me suis trompé de route. Oh, mais faut qu'il arrête, faut qu'il arrête. Bon, allez, allez, on va l'emmener. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Oh là là, comment on fait? Comment on fait pour avoir un bébé? Non, ça je sais comment on fait. Oh, je crois que c'est ici le truc d'un... Oh, j'ai fait tout le tour pour rien. C'est bon, on est arrivé. On va le déposer, et comme ça il va retrouver son papa et sa maman. Allez, voilà, c'est bon, je l'ai dans les bras. Tu viens avec moi ou tu restes là? Attends, attends, il y a un truc qu'on n'a pas discuté. Imagine, mais j'ai bien dit imagine, on va le rendre et en fait il n'a pas de papa et pas de maman et on sait pas d'où il vient, on fait quoi? Ah ouais, c'est peut-être une idée, oui. Bah on peut le garder en attendant. On verra, déjà je vais voir s'il a un papa et une maman quand même, c'est important. Et après on va peut-être, bah on peut le garder après sinon. Enfin on verra, on en discute. Faut que je vois de suite. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'il aurait un papa ou une maman? Oui, bonjour. Je suis le gestionnaire de la crèche. Mais elle sort d'où cette voix? Il y a une voix quelque part, hein? Oui. Mais comment ça? Ce bébé a bien un papa et une maman. Ils sont en train de le chercher dans toute la ville. Ah bon, ça va alors. Ah là, j'ai eu peur. Je me suis dit, s'il faut, on l'avait vraiment abandonné. Il s'est perdu comment? Ben, ils l'ont laissé dans la voiture de près. Ah là là, les voitures de prêt, non mais qu'est-ce qu'ils font avec ces trucs encore? C'est vraiment n'importe quoi les voitures de prêt, on est d'accord que c'est vraiment n'importe quoi? Oui oui, je suis d'accord, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, je dois le déposer où? Tu dois le déposer dans le berceau rouge. Berceau rouge, le berceau rouge. Là ici? Ok, je le dépose là. Hop là. J'ai dit le berceau rouge. Non mais c'est bon, j'ai fait le berceau rouge. Non non, c'est bon, hop. Allez, on peut monter. J'espère que je me suis pas trompé de berceau. Bon, au pire, c'est pas grave, t'inquiète pas, il doit être beaucoup à s'occuper de cet endroit-là. Bon, par contre, tu veux bien enlever le siège enfant? Attends, j'arrive pas à l'enlever, je crois qu'il a accroché à la voiture. Bon, c'est pas grave, je vais derrière. Allez, maintenant, on va où? Maintenant, on va aller... Allez. Waouh, la voiture, elle tremble et tout. Oh là, c'est n'importe quoi. Non, mais tu sais, il avait raison, les voitures de près, c'est vraiment n'importe quoi, Marou. Marou? Oh non, mais... Mais comment on fait avec Marou, là? Oh non, j'ai perdu une roue. Tu penses qu'on arrivera à conduire quand même avec une roue en moins? Oh là, c'est vraiment n'importe quoi, oui. Et en plus, on paye ça une fortune, non mais... Oh là là. Tu sais quoi? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on devrait faire. C'est... appeler Midarkito quand même, non? Bah ouais, mais je t'ai dit que c'était une voix grave au téléphone. Tu peux t'asseoir un peu mieux, s'il te plaît? Bah non, je fais ce que je veux. Bon, tu sais quoi? Moi, je vais quand même l'appeler. Allez, je vais prendre mon téléphone. Bon, ça va, je l'ai pas oublié. Ah, ça sonne, ça sonne. Allô, Midarkito? Ouais, c'est moi, Midarkito. J'ai un truc de dingue à te raconter. Alors, en fait, ce matin, tu vois, je me suis levée normalement. Et j'ai vu que la maison, il y avait des déchets partout. Et en fait, on s'est fait, au final, cambrioler, t'imagines? Non, mais qui a bien pu nous faire ça? En plus, je pense que ça va, on nous aime bien en ville. Et en plus de ça, tu sais quoi, les flics, en fait, la police, ils voulaient pas venir parce qu'il se passe des trucs en ville. Elle est bizarre, cette journée. Dis-moi, t'aurais pas vu quelqu'un rentrer dans notre maison, nous voler et tout, parce que là, on va devoir dormir ailleurs si ça continue comme ça. Non, mais c'est moi, j'ai mangé le sandwich ce matin. Je suis venue chez vous, j'ai pris le sandwich. Et d'ailleurs, il était vraiment bizarre. Il y avait un goût un peu de, je sais pas, de saumon qui avait un peu tourné. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il était bon quand même. Après, sinon, je vous ai pris 2-3 petites affaires et la voiture, je l'ai... emmener quelque part. Je suis un petit peu loin de la Brookhaven. J'ai dû partir quelques jours en vacances avec la voiture. Attends. J'ai un bien de comprendre qu'en fait, on s'est pas fait cambrioler, mais en fait, c'est toi qui es venu chez nous et que... Attends, est-ce que Darkito, il le savait? Il le savait ou pas? Bah non, je le savais pas du tout. C'est bizarre, mais je le crois pas trop. Dis-moi, mais Darkito, est-ce que tu l'as déjà dit à Darkito, ça? Bah non, qu'est-ce que tu crois quand même? Oh là là, n'importe quoi, je l'ai pas dit. Pourquoi je le dirais? Je prends un sandwich et quelques affaires et je pars en vacances. Voilà, surprise. Attends, mais du coup, ça veut dire que j'ai appelé la police et tout, mais tu sais que tu vas être recherché en fait. Parce que là, je les ai prévenus, et je pense qu'ils vont quand même lancer une affaire et tu pourras pas repartir en vacances en fait. C'est pas possible du tout. Et puis, tu sais, le fameux saumon. T'es sûr que c'est du saumon? Ouais, je suis sûr. Et non, je suis déjà dans l'avion. Là, on décolle. Allez, ciao, bisous.
tchuss. Bon d'accord, bah c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, Darkito, je pense que tu m'as menti quand même, parce que bah c'est vrai que Darkito il te dit vraiment tout et là tu me l'as pas dit. Et en plus de ça, bah tu sais quoi, c'est marrant parce que Darkito il va se faire, je pense, contrôler à l'aéroport et il pourra pas aller en vacances. Il est recherché, je pense. Enfin, il va l'être bientôt. Tu vois, parce que bah il nous a cambriolé en fait. Mais non, je le savais vraiment pas. Bon allez, c'est pas bon, on repart en voiture. Ah, c'est n'importe quoi cette histoire. Oh non, il manque encore une roue. Oh non. Mais n'importe quoi. Hé, Darkito, arrête, chérie, arrête. Hé, arrête-toi. Mais arrête, on va se prendre un poteau si ça continue. Mais t'as bien vu qu'il nous manquait une roue. Pourquoi tu conduis? Hé, oh, stop. Il reste plus qu'une roue. Fais n'importe quoi, arrête. Oh non. Sors de là, vite, ça va exploser. Bon, on fait comment maintenant? On n'a plus de voiture. Notre maison, en fait, elle n'a pas été cambriolée. On retourne chez nous, on fait quoi? Attends. Déjà, je vais t'expliquer un truc. Ça fait 40 fois que je te dis d'abandonner cette voiture et tu me laisses dedans en danger, comme ça, en train de rouler, alors qu'il déjà il manquait une roue. Donc, tu démarres quand il y a une roue en moins et là, on perd toutes les roues. Non, mais vraiment, t'es vraiment inconscient, c'est pas possible. Ouais, mais faut quand même qu'on aille... Mais quoi? Bah, j'ai réservé un hôtel, une chambre d'hôtel et je voulais vraiment y aller. Je voulais te faire la surprise. Et voilà. Ah, c'est vraiment super mignon. Enfin... Voilà, mais quand même, tu sais, c'est pas très rassurant, hein, parce que le jour où nous aussi on aura des enfants, ben, je veux pas que tu conduises comme ça. Non, mais j'achèterai une voiture un peu plus familiale, tu vois. Ah oui, un gros 4x4. Non, moi je veux une voiture blanche. Alors, un 4x4 blanc. Et si on allait l'acheter maintenant? Mais je te rappelle qu'on s'est fait voler tout notre argent, pourquoi tu veux acheter une voiture maintenant? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à l'hôtel. Ah oui, on va à l'hôtel et j'espère qu'il y a un spa, Dis-moi qu'il y a un spa. Et attends, j'ai super faim en plus, on pourrait pas manger aussi? Ouais, attends, regarde, il y a un truc ici, on peut récupérer quelques petites nourritures. Marché de nourriture, on va prendre des sandwichs, ça te tente? Non, ça me tente pas du tout. Moi je parlais d'un vrai restaurant, tu vois, tu m'as parlé d'un hôtel, ben... Je veux pas manger des... Attends, c'est quoi? C'est des brocolis, là, il y a quoi? C'est des saucisses, c'est quoi? Bah non, j'ai pas envie de manger ça. Oh non, bon, heureusement qu'il y a des chips, elles sont bonnes, mais... Non, je préfère le restaurant, quand même, hein. Tu sais, on pourrait aller au restaurant juste à côté, il y en a un pas très loin. Ouais, c'est bon, je sais, vas-y, viens, suis-moi. Voilà, heureusement qu'il y a ce resto à côté, quoi. Hop là, et on va aller... Regarde, viens avec moi à l'étage, on va aller ici, le Happy Burger. Des burgers? Ouais, c'est pas mal. Hop là! Allez, on va s'asseoir. Ah, c'est vraiment super bon, ça fait du bien. Et tu sais, franchement, je sais pas trop comment on va s'en sortir avec cette histoire de cambriolage. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même bientôt réhabiter là-bas, tu sais. En plus, j'ai reçu un SMS de la police, ils ont dit que c'est bon, ils sont sur l'affaire. Ils sont sur le coup et du coup, bah attends, ils risquent de quand même arrêter Darkito. Mais bon, c'est pas la fameuse affaire, hein. Il avait pas qu'à faire ça après tout. Oh non, ça veut dire qu'il va falloir le libérer de prison. Oh non, on va falloir s'engager dans une mission de libération de prison. Tu penses qu'on risque rien si on le libère de prison, en secret? Bah, je sais pas, de toute façon, on le saura jamais, puisque j'ai aucune intention de le libérer de prison. Il nous a quand même cambriolé, je te rappelle, hein. Bah non. Non, il nous a pas cambriolé, il a pris quelques affaires, il a dit. C'est ça qu'il a dit, non? Oui, bah attends, par quelques affaires, il a pris... Oui, d'accord, ce qui est dans le frigo, mais il a pris surtout, tu vois, tout notre argent. Puis il a pris plein d'objets de décoration... Et plein de vêtements, on avait un petit peu des vêtements quand même sympas et on n'a plus rien quoi. Ouais mais si, il nous rend tout, imagine il nous rend tout après les vacances, comment on fait? Bah sincèrement j'ai aucune envie de lui pardonner, tu sais il avait qu'à réfléchir à ce qu'il faisait avant, parce que nous on lui a fait confiance, on lui a donné les clés de la maison, et lui il vient comme ça, il nous vole des affaires et après il décide de partir en vacances, peut-être qu'en plus il les a vendus pour partir en vacances, enfin on sait pas quoi. Moi j'ai pas envie de lui parler. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que je dois faire. N'hésitez pas à liker et à regarder d'autres vidéos. Et surtout vous abonner. Hey, d'ailleurs j'ai vu ta tête sur Instagram. C'est vrai que t'es jolie quand même en vrai. Et en plus tu fais gagner des Robux? Bah oui mais qu'est-ce que tu dis? Tu me connais en plus en vrai. On habite ensemble. T'es vraiment bizarre. Bon bah abonnez-vous.